Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un dépôt sur son compte à la banque postale. Alors, pour effectuer un dépôt sur son compte à la banque postale, vous avez plusieurs méthodes ici que vous pouvez utiliser. Alors, vous pouvez faire par exemple un dépôt en espèces, en chèque, en virement ou encore par courrier. Alors, si vous souhaitez faire un dépôt sur votre compte en espèces, ce que vous allez faire déjà, c'est vous rendre dans une agence de la banque postale. Et là, ce que vous allez faire, c'est obtenir un bordereau. Alors, ce que vous allez faire, c'est remplir le bordereau. Vous allez entrer les différentes informations de votre compte bancaire. Vous allez entrer la somme que vous souhaitez déposer dans votre compte. Alors, vous allez tout simplement remettre cela au guichetier après que vous aurez rempli cela. Et là, il va se charger de déposer de l'argent directement sur votre compte. Alors, si vous ne voulez pas procéder avec cette méthode de dépôt d'argent en espèces sur votre compte, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire un dépôt d'argent en forme de virement. Alors, ce que vous allez faire, c'est demander à un ami qui a un compte à la banque postale de vous faire un virement directement dans votre compte. Là, ce que vous allez faire, c'est lui donner de l'argent en cash. Et là, il va faire un virement équivalent à l'argent que vous lui aurez remis en main directement dans votre compte bancaire à la banque postale. En plus des deux méthodes que je viens de citer, vous aurez aussi la possibilité de pouvoir faire un dépôt en forme de chèque directement sur votre compte bancaire. Alors, ce que vous allez faire, c'est vous rendre à votre banque. Là, ce que vous allez faire, c'est remplir un chèque. Et là, ce que vous allez faire, c'est remettre cela encore une fois de plus au guichetier. Et là, il va tout simplement gérer l'opération en back-end qui va lui permettre de pouvoir recharger votre compte. Et là, vous aurez donc déposé de l'argent via un chèque directement dans votre compte bancaire à la banque postale. C'est aussi simple que ça.